Voilà les mouches, on est obligé de s'en sortir devant, au milieu des salités là. Ça ne nous arrange pas. On ne sait pas qui doit faire le travail. Tantôt, on se réfère aux maires, tantôt, on se réfère aux autorités. Donc, nous, en tant que riverains, on ne sait pas à qui s'adresser. Or, toutes ces ordures là donnent des maladies. Dimina quoi, votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. Je changerai la commune à coup de bâton magique. On a des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on ne voit plus rien de tout ça. Dimina quoi, Dimina quoi. Madiago, Guadali le dobi la diago, vraiment, vraiment. Mes chers amis, je vais vous conter. On ne peut pas manger, il y a trop de nyamanyama sur la route, on est fatigué. Donc vous n'avez qu'à faire une fois, prendre nyamanyama pour quitter ici là. On habite tout juste à côté, en face là. La cour est très sale, les mouches, les moustiques, on n'arrive même pas à dormir. Il y a des maladies bizarres. Pas plus tard qu'avant, ma soeur même souffrait de la fièvre typhoïde, nous c'est du quoi. À l'insalubrité. Ah, bon, ça a eu la fièvre typhoïde. Bon, on voit ça, elle est malade, elle est présentement au CHU. On a eu bon, des cas de dysenterie, tout ça là. On n'arrive même pas à respirer. Manger, mais c'est tout un problème. Dormir la nuit, les moustiques. De toi, personne qui veut aller en balade. Un Ivoirien, un Burkinabé, et puis un Français. Le Français était dans sa patron Burkinabé sur son vélo. L'Ivoirien était un coco. Arrivé sur le port, tout le monde s'est fâché. On n'a rien compris, mais tout le monde s'est fâché. Le Français, il a jeté sa patronne. On lui demande pourquoi tu jettes ta patronne. Chez nous, en France, là-bas, il y a trop de patronnes. Pour qu'il avait à son tour, il jette son vélo. On lui demande pourquoi tu jettes ton vélo. Chez nous, au Faso, là-bas, il y a beaucoup de vélos. C'est compliqué, compliqué pour l'Ivoirien. Il regarde à droite, il n'y a plus patronne. Regarde à gauche à plus de l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Et ce qui est encore embêtant, c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais le pays là, c'est un pays de luxe. Un encas venu ramasser ça là. Pour manger même, c'est difficile au marché. Notamment les mouches peuvent entraîner la prolifération donc, des infections telles que la fièvre typhoïde, les diarrhées. Aussi, il y a aussi les moustiques qui vont entraîner bien entendu le paludisme. Et à cela, on peut aussi rajouter d'autres infections qui vont affecter même le cadre de vie, hein, telles que des nuisances olfactives, des infections respiratoires aiguës. Donc le cortège de maladies susceptibles d'affecter les populations est important. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous, en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a trop